Alors le festival, ce sera foisonnant, interdisciplinaire et festif. Alors je vais tricher, ça sera plutôt la soirée d'ouverture du festival où on sera accompagné par la compagnie Gratte-Ciel avec Fuego et qui compagnie qui vient de faire l'ouverture des JO, donc on est pas peu fiers de les avoir. Alors le spectacle théâtre, un petit coup de cœur pour la compagnie Raoui avec le spectacle Nena, où elle repart à la recherche de la recette de sa grand-mère des Hensmen. En cirque, je dirais la compagnie Folle Allure, avec le spectacle Faudrait pas rester planté là, parce que c'est un premier regard et c'est un spectacle qui a été en résidence de création à la Bibliothèque Armand-Gatier. Et en musique, pour le festif, on aura une batucada qui va arpenter le cœur de ville. Sans aucune hésitation, les artistes. Alors, déjà, la première nouveauté, c'est qu'il y aura un festival off avec le collectif La Rade Marée, qui a été porté par la compagnie Attention Fragile et qui accueille au sein du festival sa propre programmation à l'Esplanade Marine. La deuxième nouveauté, c'est qu'autour du festival, on va avoir des rencontres pro et ça, c'est bien pour les artistes et c'est bien pour le festival aussi. Et la troisième, on aura à nouveau un projet participatif mis en place en partenariat avec des artistes qui ont été en résidence pendant tout l'été et qui vont créer un spectacle à l'occasion du festival tout nouveau qui s'appelle Micro City autour d'une maquette qui a été fabriquée par les habitants. Je dirais il faut être curieux, il ne faut pas hésiter à venir chercher à la bibliothèque et prendre des conseils. Et je vous invite à lire cette magnifique pièce qui s'appelle « Le poids des fourmis » de David Paquet, qui donne la parole à deux adolescents, une un peu folle et une très timide, autour de la question de la relation à notre société, à l'écologie, etc. La place Martel-Esprit. Je dois avouer que le festival d'Aurillac est quelque chose d'assez surprenant. Depuis toutes ces années que j'y vais, ça arrive encore à me troubler tellement c'est énorme et tellement c'est riche.